Eh bien bonjour, c'est Cupertino. Il est 14h18, nous sommes dimanche. Je ne sais plus si on est le 17 ou le 18, je crois qu'on est le 17 juillet. Étant donné ce magnifique temps sur la région Rhône-Alpes, donc à Lyon entre autres, mais je pense aussi aux autres, hein, bien sûr, dans les autres villes de la région Rhône-Alpes et même de France, donc c'est un temps pourri. On va dire que c'est un temps de novembre. Hein. Là, j'en profite donc pour en fait vous faire un petit teasing de ce que je vais faire cet après-midi. Installation de 10.7 Lyon sur un MacBook Core 2 Duo 2 GHz, celui dont je m'étais débarrassé sur le sol violemment. Il ne reste plus qu'un clavier, il n'y a plus d'écran, mais il fonctionne très bien. C'est mon père qui l'utilise. Ensuite, réparation d'une Nikon Coolpix. Logiquement, il y a la platine alimentation qui déconne, qui à mon avis est HS. Donc sur les conseils de Gunde, il m'a conseillé de vérifier de visu, c'est-à-dire d'ouvrir la machine, d'ouvrir l'appareil photo, et de vérifier à l'œil s'il y a quelque chose qui déconnait, quoi, une petite trace de brûlure, etc. Sinon, ce serait très difficile. Donc, je vais regarder s'il y a quelque chose. Si je ne peux pas le réparer, je le refilerai. Je l'ai payé 10 euros sur le bon coin. Je ne vais pas non plus me plaindre. Voilà. S'il peut refonctionner, ce serait génial. Donc, voilà, installation du MacBook. Réparation éventuelle du Coolpix 990. Et j'avais un autre truc à faire, mais je sais plus ce que c'est. Bon, on verra tout à l'heure. Donc c'était Cupertino, il est 14h20. Je rentre chez moi et j'attaque par l'installation du MacBook. Allez, à suivre.